Vous venez d'être diagnostiqué d'un cancer de la prostate et votre chirurgien vous a proposé, parmi tous les traitements possibles, une prostatectomie au robot. Qu'est-ce que le robot ? À quoi sert-il ? Quels sont ses avantages pour le chirurgien et donc pour le patient ? Le robot est un outil chirurgical qui permet au chirurgien de faire l'intervention avec une plus grande précision. Le robot ne se substitue pas au chirurgien puisqu'il ne fait rien tout seul, il n'a aucune autonomie, c'est le chirurgien qui le manipule. Le chirurgien est derrière une console avec des joysticks et avec ces joysticks, il va manipuler les interventions qui vont permettre de faire l'intervention chirurgicale. Le robot présente tout d'abord une vision de meilleure qualité, elle est en trois dimensions, ce qui permet d'avoir une vision en relief de votre prostate. Et il propose également des instruments finement articulés à 360 degrés, millimétriques, qui permettent de faire une micro-dissection de la prostate et notamment de préserver les sphincters pour la continence urinaire et les nerfs de l'érection pour les érections ultérieures. Si le robot permet au chirurgien d'optimiser son intervention chirurgicale, bien évidemment, le résultat est directement ressenti par le patient. Cette chirurgie est dite mini-invasive, avec moins de douleurs post-opératoires, moins de saignements et une hospitalisation plus courte qui peut même aller jusqu'à l'ambulatoire, c'est-à-dire une entrée le matin de l'intervention et une sortie le soir même. Cette intervention au robot vise à préserver au maximum votre continence urinaire et vos érections post-opératoires et le fait d'avoir une vision et une dissection plus fines vont dans ce sens. À bientôt.